hop là guys, et roule ma poule. Salut, moi c'est Pascal, et je suis bien chaud. Laurent. Bon, non, je suis en retard, on n'a pas le temps là. Oh bah comme il a dit, on est en retard, on n'a pas le temps, allez on se casse, hop. Pour cette balade improvisée, on retrouve nos joyeux compères au centre de l'Alsace, dans le Pays de Bar, et plus précisément à Tambard-la-Ville. Un périple d'une cinquantaine de kilomètres attend les copains avec pour objectif de sillonner le Val de Villers, franchir le col de Fouchy et revenir à notre point de départ par le Val d'Argent. La vieille cité médiévale de Tambard, la ville qui se déploie sous vos yeux, offre un très bel ensemble architectural homogène typique des petits villages viticoles d'Alsace. D'ailleurs, Tambard constitue l'une des plus grandes communes viticoles d'Alsace avec ses 470 hectares. On aura peut-être l'occasion d'y aller un jour pour y goûter la production locale. Mais aujourd'hui, on continue notre aventure par Chervillers et sa route du sel, qui était l'un des trois principaux itinéraires qui, depuis l'Antiquité, permettait de transporter le sel de Lorraine vers la plaine d'Alsace par les cols vosgiens. Nous allons vers le château. Le château de Tanvillers. C'est pas Tanville, c'est Tanvillers, ok, on s'est fait engueuler. Donc pour l'instant, on voit pas grand-chose, mais... C'est d'ailleurs à l'entrée de la vallée, à Tanvillers, qu'existe un château qui, depuis le XIe siècle, avait pour fonction de verrouiller et contrôler ce trafic marchand. Fait étonnant, jusqu'en 1766, le domaine était une enclave lorraine en Alsace, ce qui explique les nombreux éléments de défense encore présents. Mais qu'est-ce que c'est donc ? C'est une petite meurtrière, jolie. C'est pour que le canon puisse bouger et tirer sur l'ennemi. Après ces brèves explications sur les bouches à feu du château de Tanvillers, on continue notre remontée de la vallée par les hauteurs du petit village de Meuf-Église, à l'heure où la chaleur ambiante et l'appel de la soif est à son plus haut niveau. Arrivé à Villers, on a enfin pu prendre le temps de se poser sur une terrasse, boire un breuvage très rafraîchissant. Il est 11h. Bon, bah c'est reparti. Hop là. On reprend notre balade vers le point culminant de notre itinéraire, à près de 606 mètres d'altitude, et qui va nous permettre de changer de vallée. Une très belle ascension en direction du col de Fouchy. Les lacets très prononcés de ce col ont conduit à faire du col de Fouchy un lieu de prédilection pour des courses de côte et de rallye automobile, dont le célèbre rallye Alsace-Vosges. Outre la vue dégagée et panoramique sur les Vosges centrales, c'est le tout nouveau revêtement gravillonneux qui nous a demandé d'être extrêmement attentifs à nos trajectoires tout le long de la descente jusqu'à Rombard-le-Franc. Arrivé à la ville de Lièvre, après la soif, c'est la faim qui nous a questionnés. On retourne vers la plaine d'Alsace là. Qu'est-ce qu'on fait? On mange ensemble? On arrête? On rentre à la maison? Je sais pas. J'ai un peu faim. Donc... On va manger un bout? Hein? Allez, c'est parti! C'est à Châtenois qu'on a décidé de faire ripaille en privilégiant cette fois-ci les légumes sous les vifs encouragements du serveur de la vignette. Hop là guys, et roule ma poule! Et c'est ainsi que se termine cette balade improvisée qui mêle vigne, sel, château et montagne. Damien et moi, on commence à biper, donc j'imagine que c'est la fin du parcours. Et effectivement, on retourne à Tambard. Qu'est-ce qui fait chaud ? Et c'était bien. C'était nickel et à refaire, évidemment, dans les mêmes conditions. Avec autant de chaleur ? Peut-être pas autant. Là, à un moment donné, trop fait trop. Hein. La chaleur, plus la chaleur. Par contre, c'était une excellente balade. Beau paysage, ballonné. C'est magnifique. À refaire avec toi. Toi qui es là derrière l'écran là, de te regarder là, viens avec nous. Allez, à bientôt. Hop là guys, c'est roule ma poule. En espérant que ça vous a plu et donné envie de découvrir ce joli territoire, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Hop là guys et roule ma poule.